Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'une rue que je vois partout dans le monde, donc les rues Carmel. Je me suis toujours posé la question et j'ai décidé de mener cette enquête. Qui était Lazare Carnot? Donc Carnot déjà c'est une grande famille, mais ça comme, enfin, le premier qui commença à se faire connaître était un mathématicien, physicien et général de division, c'est Lazare Carnot. Il naquit près de Nolay le 13 mai 1753 et il décéda le 2 août 1823 à 70 ans. Donc, il était général de division de 1771 à 1815 et il aura participé à plusieurs batailles, hein, comme, enfin, à plusieurs batailles, à plusieurs conflits, donc comme. Comme la guerre de Vendée, c'est même lui qui aura plus tard exécuté énormément de Vendéens. Il aura aussi exécuté les prêtres. Les prêtres, comme vous voyez, le cœur rouge, enfin le cœur rouge avec une croix dessus. Donc ça, vous le connaissez. Et il aura aussi participé auprès de Napoléon. Napoléon, je crois qu'il l'appréciera pas mal. Il sera distingué par la Légion d'honneur et il sera le petit-fils de. Il est le petit-fils de Claude Carnot, donc qui était lui aussi. Qui était lui aussi un ancien militaire, mais qui était un peu plus haut dans les grades de l'armée. Et il faisait pas mal de politique. Ça, c'est une autre vidéo, on ne sera pas aujourd'hui. Donc, je vais vous dire vite fait la descendance, parce que voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, Lazare Carnot vient de Claude-Marie Carnot, donc son papa. Après, il donnera naissance au physicien Marie-Adolphe Carnot, et donc qui sera un physicien mathématicien comme son père. Voilà, je vous ai cité les principaux, et il sera aussi, il y aura un frère, enfin. Un autre fils qui sera Sadi Carnot, donc son fils, et Hippolyte Carnot. Tous ceux-là seront des physiciens et ingénieurs, sauf Hippolyte Carnot qui se démarquera de la famille, qui sera lui aussi homme politique. Donc dans la famille, il y a plusieurs Carnot, donc enfin il y a plusieurs Sadi Carnot, donc pas confondre entre le physicien et l'ingénieur et l'homme politique. Qui sont totalement distincts, qui n'ont pas vécu à la même époque. Donc, Sadi Carnot, le premier, donc on les appelait 1 et 2, sera de 1796 à 1832. Donc, son fils, très vite. Et le petit-fils, donc, qui s'appelait aussi Sadi Carnot, mourra le 1894. Donc, il vivra de 1837 à 1894. Donc, comme vous le voyez, dans cette famille, c'est principalement des ingénieurs, des hommes politiques, ou des généraux. Enfin, les hommes politiques, beaucoup moins, c'était un peu plus éparpillé. Donc, j'ai fait à peu près le tour de la famille. Maintenant, on va parler un peu de son histoire, et surtout, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, pendant la Révolution, il faut se dire que, enfin, que Lazare Carnot était aussi un député, donc je sais pas si je vous l'ai dit, et c'est lui qui votera, qui fera partie des votants, pour exécuter les Vendéens. Et aussi, il participera très activement à la guerre de Vendée. Je vous remercie pour m'avoir écouté cette vidéo. Donc, il y aura une deuxième partie sur Lazare Carnot et sur sa famille, parce que j'ai pas fini. Elle est vraiment longue. Je vous remercie et j'espère que la chaîne vous plaît vraiment. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, car problème de connexion. Donc, je vous remercie. Je vous dis à plus et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Boum! Mon ami Ressox en fera une autre bientôt. A plus !